Hello mes citrons, j'espère que vous allez bien et moi je vais très bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, donc en fait là j'ai mis la voix off par-dessus la vidéo, donc c'est normal que ce ne soit pas très très cohérent. Bref, donc en fait je me suis connectée sur mon compte de tout simplement Movistar, hein, sur Kerzal, et j'ai très très bien fait parce qu'au moment où cette vidéo a été tournée c'était genre le 24 au matin, genre vers 2h du matin. Et je me suis dit qu'il fallait que je prenne le pack. Donc je vais vous expliquer tout à l'heure comment je vais faire gagner mon ticket VIP. Mais en tout cas, j'avais décidé de me connecter sur le jeu à 2h du matin en me disant ça va, je vais pas trop laguer parce que je ne sais pas s'il y a des gens qui datent d'il y a tellement longtemps sur ma chaîne que vous vous rappelez quand j'avais pris à un moment donné, je m'étais remis VIP un an. J'ai pas réussi à changer les couleurs de mon pack parce que je laguais tellement et du coup après j'ai été déçue parce que forcément je n'ai pas pu choisir les couleurs que je voulais, ça ne voulait pas changer, le jeu laguait. En relançant la page de Movistar Planet, je me suis dit ah bon, je vais pouvoir quand même choisir les couleurs en relançant, et en fait pas du tout. Donc là vous voyez que j'étais en train de regarder le pack et c'était du coup le pack Bratz, hein, le 24 au matin, ouais c'était le pack Bratz. Et du coup je me suis dit bon, dans 3 jours ça ne va pas changer, j'aurai pas plus d'argent dans 3 jours, donc autant le prendre tout de suite avant que ça change. Et j'ai très bien fait parce que je pensais que le pack allait rester jusqu'au 27 et il a changé le 25, à un jour près. À moins de 24 heures près, le pack me serait passé sous le nez. Donc là, comme vous voyez, j'ai décidé de changer les couleurs du pack. Donc j'ai commencé par les yeux parce que moi, c'était vraiment le plus important. Je ne sais pas ce que vous en pensez de ce pack. Je l'aime bien, ça va. Mais en vrai, s'il n'y aurait pas les yeux, je ne l'aurais pas pris. Voilà, clairement, je ne l'aurais pas pris si à la place des yeux, il y avait des yeux. Des yeux. Il y aurait eu un objet à la place des yeux comme habituellement il y a, je ne l'aurais pas pris parce que je l'aimais bien, mais pas assez pour le prendre. Mais les yeux, bah ça m'a fait changer d'avis parce que vu que les yeux ne sont pas échangeables, et c'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas les échanger parce que voilà, je ne pourrais jamais récupérer les yeux dans ces packs. Voilà, surtout j'en avais fait sur un autre compte que j'avais offert pour ceux qui se rappellent Captain Lex. Hein, Chico, si tu passes par là, j'attends toujours la série, wesh. Mais en tout cas là j'ai décidé de mettre les yeux en noir et franchement là avec du recul je me dis j'aurais peut-être dû les prendre en couleur nude brun, vous savez, une couleur, un eyeshadow, une fard à paupières brunâtre, un peu nude, comme ça aurait peut-être été mieux. Mais finalement j'ai pris du noir parce que on va pas se mentir, ça va peu avec tout en fait. Peu importe ce que je mets, ça matchera avec. Et pour les yeux, au début je voulais prendre les yeux en noir parce que j'adore les yeux noirs sur les jeux et tout. Et au final, je me suis dit, bon, je vais prendre les yeux bleus. Bon, clairement, je pense qu'ils sont un petit peu plus clairs. C'est un bleu un petit peu plus profond, un petit peu plus, comment dire, un peu plus foncé. Enfin, pas foncé, justement, clair que mes yeux à moi dans la réalité. Mais bon, j'ai décidé de prendre une couleur qui me plaisait. Et en fait, au début, ouais, comme vous pouvez constater, je suis en train de faire n'importe quoi. J'étais en train de faire un truc, il était horrible. C'était vraiment dégueulasse ce que je faisais dans le game parce que... comment vous dire, j'ai voulu partir sur du bleu et du jaune parce que c'est un petit peu mes couleurs du moment, hein, on va pas se mentir, voilà. Du coup, j'ai décidé de partir sur un bleu jaune, quelque chose d'original, et vous allez voir que je vais changer d'avis. Je vais changer d'avis et partir sur quelque chose qui n'est absolument pas original, mais qui est peut-être un peu plus sûr au niveau de la couleur. Mais ouais, là je pense que c'était le moment où je me suis dit, ouais non, Kerzal, t'es en train de faire de la merde, c'est dégueulasse ce que tu fais. Et du coup je suis partie sur des chaussures totales noires, hein, du coup j'ai changé la robe et je l'ai mis également tout en noir. Donc quelqu'un m'avait offert aussi justement la robe tout en noir et j'avais kiffé. Du coup je me suis dit bon tant pis, je vais la prendre full noir et au pire l'autre je vais la faire gagner tout simplement en live ou quoi, je l'offrirai en cadeau. Mais je suis partie sur du noir. Et pour les cheveux, ben là par contre un peu plus original, ben je pense que vous avez peut-être remarqué déjà mon look dans le game et du coup vous avez déjà vu les couleurs que j'ai choisies pour le pack. Mais du coup je suis partie sur des cheveux bleus, donc au début j'hésitais blond bleu. Genre comme il y a quelques mois mes cheveux c'était ça, c'était blond aux racines, bleu sur les pointes. Et finalement vu qu'aujourd'hui mes cheveux sont total bleus, je me suis dit bon allez on va partir sur quelque chose de bleu. Total bleu, j'ai juste essayé de faire un sort de petit contraste et de choisir deux bleus différents pour que ça fasse un effet un peu joli. Et au final, bah, je trouvais que ça allait plutôt pas mal. J'avais fait un joli petit contraste et franchement, je suis super contente de la tenue que j'ai choisie. Je suis noire avec les cheveux bleus, je trouve que ça rend tellement bien avec les yeux et tout. Et comme je disais, pour le ticket VIP... tout simplement je vais vous faire gagner, hein, tout simplement comme je le fais tout le temps, chacun de mes tickets VIP je vous les ai toujours offerts et ça ne change pas, pour ce pack là ça ne change pas, je vous ferai gagner également.
Du coup, le Boonies, on s'en fout complètement, hein, parce que c'est, j'aime pas trop. À la limite, quand il est petit, il est mignon, mais en fait, ce Boonies ressemble à une chouin. On va pas se mentir, c'est un peu comme le pack Bratz, c'est un peu le but, hein. Le Bratz ressemble pas mal à des chouins, donc on va pas se mentir, mais du coup, le Boonies, je ne risque pas de le réutiliser, hein. Voilà, dommage qu'on peut pas offrir ou les Boonies, sinon je vous l'aurais offert avec, mais du coup, on peut pas les échanger, mais voyez, j'ai quand même bien aimé le dégradé bleu de mes cheveux, que j'ai choisi, bah, du coup, pour ce pack-là, pour ces cheveux-là. Et du coup, comme je disais, pour le ticket VIP, je vais vous faire gagner. Et je pense que je vais vous le faire gagner ben, en live, comme je fais habituellement. Mais je le mettrai sur la roulette. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient au live roulette, j'avais fait gagner sur la roulette une carte cadeau. Du coup, là, ce sera pas la carte cadeau, ce sera le ticket VIP à la place de la carte cadeau. En attendant de le faire gagner, si quelqu'un tombe dessus sur la roulette, gagnera le ticket. Donc, je vais juste expliquer pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la roulette, parce que vous étiez peut-être pas à mes lives récents. Mais en fait, sur les lives récents, j'ai rajouté une petite fonctionnalité de roulette que des fois, je vous fais faire une enchère sur le chat du live. Celui qui m'offre le plus de ces citrons, et bien tout simplement, on gagne l'enchère. Et du coup, la personne qui a gagné l'enchère a le droit de faire tourner la roulette. Et les cadeaux sur la roulette sont différents. Soit vous pouvez regagner des citrons, soit vous gagnez... Vous gagnez le ticket VIP là pour le coup. Soit j'ai mis dessus, j'ai marqué pack crayon, mais en fait c'est tout simplement la coupe, le haut, le bas et les chaussures de la collection crayon. J'ai mis la collection Bratz du coup. J'ai mis également le haut drip, la casquette drip, et de temps en temps je mettrai le pixel, etc. Parce que ça fait déjà pas mal de choses à gagner sur la roulette. Mais en tout cas, voilà à quoi ça ressemble pour la roulette. Voilà, ne ratez pas mes prochains lives. Si vous voulez tenter de gagner le petit ticket VIP de la roulette de la 15h. Voilà, donc là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ah oui, j'étais en train de faire mon look. Et j'avais envie là, j'étais en train de chercher des collants. Comme vous pouvez voir, je suis à la 73e page, 74e, etc. J'étais en train de chercher des collants noirs pour rajouter sur le look parce que je trouvais que ça faisait bien. Sauf que, comme vous l'aurez constaté, au bout d'un moment, j'ai lâché prise parce que j'en avais marre. J'en avais marre de scroller les pages et de ne pas tomber dessus. Et du coup, j'ai oublié d'appuyer sur OK. Du coup, j'ai pas des étincelles sur le visage. Et là, du coup, Clinique Beauté, forcément, pour mettre les nouveaux yeux qui sont très très beaux. Mais c'est vrai que je crois qu'on n'a pas pu changer les couleurs des sourcils, si je me trompe. Ou en tout cas, j'ai pas fait attention, mais il me semble que non. Que les sourcils, on pouvait pas les changer de couleur au niveau du pack, je ne sais pas. J'ai un gros doute. Dites-moi en commentaire si vous savez, est-ce que les sourcils, j'aurais pu changer la couleur parce que je ne sais plus. Mais il me semble que non, parce que du coup, j'ai mis les sourcils noirs et en vrai, j'ai pas des sourcils noirs. Mais en soi, ça me dérange pas, je trouve ça quand même beau. En plus, si j'aurais mis des sourcils plus clairs avec un fard à paupières aussi foncé, je sais pas, ça aurait été trop contrastant et j'aurais peut-être pas aimé. J'aurais remis de toute manière en noir, donc à moins que j'aurais pensé à mettre le fard à paupières couleur nude. Mais bon, maintenant que c'est fait, on va pas revenir dans le passé. Je n'ai pas de machine pour revenir dans le passé, mais du coup, je ne sais plus ce que je faisais là. D'accord, j'ai décidé d'ouvrir les cadeaux, je pense, pour clôturer la vidéo, pour vous dire au revoir. Mais juste avant de vous dire au revoir, j'avais envie juste de vous dire, pour le nouveau pack, j'adore le nouveau pack, juste pour le bonus. Dites-moi ce que vous en pensez du nouveau pack qu'il y a actuellement au moment où la vidéo, elle sort, le pack actuel. Donc si c'est plus tard, c'est en fait le pack avec la robe aquarium. Si vous regardez cette vidéo plus tard, voilà, pour que vous sachiez de quel pack je parle, c'est celui avec la robe, le bas aquarium, etc. Et en fait, le Evoli. Les Evoli. Vous voyez, comme quoi, j'y pense tellement fort, mais en gros, le Boonies ressemble à Evoli. Voilà, il ressemble énormément à Philali. Et d'ailleurs, j'en avais parlé avec Miklico par Discord, et elle avait pensé totalement la même chose que moi, qu'elle kiffait beaucoup le Boonies, et que pareil, ça lui faisait penser à Evoli, du coup, à Philali. J'ai juste envie de prendre le nouveau pack juste pour le Boonies, mais je me suis un petit peu ruinée déjà pour acheter ce pack-là. On va pas se mentir, c'est 40€, c'est très très cher. Du coup, n'hésitez pas à me soutenir sur YouTube, hein, pour que je puisse me prendre le prochain pack et en même temps vous offrir le ticket VIP. En tout cas, j'espère que cette vidéo, quand même, elle vous aura plu. Voilà, c'était plus une petite vidéo blabla pour changer, posée au KLM sans grand montage, etc., etc. Et ben écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et je vous dis à très bientôt. Gros gros bisous à vous.
Ciao, ciao. Bye.